Shalom, bien-aimés de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Nous glorifions sa majesté. Nous lui disons merci pour ce nouveau jour encore du 6 août. Nous lui disons merci pour le renouvellement des battements de notre cœur. Il a bien voulu nous réveiller ce matin. Et nous sommes heureux de contempler les merveilles de sa création, la nature, et que nos oreilles entendent les chants des oiseaux. Bien-aimés frères, associe-toi à moi dans cet élan d'action de grâce pour rendre gloire à l'Éternel qui t'a fait grâce de voir ce nouveau jour. Les textes de ce jour sont très beaux. Et nous allons méditer l'évangile de Saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux-mêmes à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, il regarda tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Ô Maître divin, tu es majestueux, élevé au-dessus de ton trône, où tu sièges, Jésus, en majesté. Tout mon être voudrait te dire le refrain de ce chant en te rendant grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Cette illumination a tellement marqué Pierre, Jacques et Jean, de sorte qu'ils ne voulaient plus quitter le lieu où ils se trouvaient. Désire cette présence, désire la présence de Jésus, ton Seigneur. Oh. Il est bon, il est doux de demeurer dans ta présence. Oh. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que je t'oublie ce matin.
désirent la présence de Jésus. Comme Pierre, Jacques et Jean avaient expérimenté sa divine présence en compagnie d'Élie et de Moïse, se tenant dans cette dimension de gloire, ce matin je t'invite, mon frère, ma soeur, à désirer la présence de Jésus. Es-tu là? Oui, c'est un privilège pour toi, parce que sa présence pour toi est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Alors du fond de ton âme, élève ce soupir et adore-le, parce qu'il est digne de louange. Que tous connaissent l'homme, chantons à l'unisson, heureux refrain de sa gloire, et que nos cœurs s'abreuvent de sa sublime splendeur et de sa divine beauté. Levons, oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oh. Jésus, le prince glorieux, oh. Jésus, le prince glorieux, Jésus, le prince majestueux, Jésus, le soleil levant, Jésus, le prince de la paix, Jésus, soleil de justice. Je te demande tout simplement de demeurer dans cet élan d'action de grâce et d'adoration en contemplant cette gloire de Jésus. Puisses-tu, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, être illuminé par le Saint-Esprit, afin que tu fasses une expérience comme Pierre, Jacques et Jean dans cette contemplation, et que la paix de Jésus habite ton cœur, habite ta famille et habite ce cher Sénégal. Et notre secours, nous la mettons dans le puissant nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ainsi que Dieu, dans son infini amour, nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.